dégrenant le chapelet. Prenant le chapelet qui s'use sous mes doigts, ce soir, j'ai récité la veille 10 fois, 20 fois. Ayant péché, j'étais d'une tristesse amère. Ouais, simplement, ainsi qu'un fils devant sa mère, main jointe, à genoux, les yeux mouillés de pleurs, j'ai répété « Priez pour nous, pauvres pécheurs. » Et dans mon cœur déjà, je sens la paix renaître. Je crois, j'espère en Dieu, je sais qu'il est un maître miséricordieux, bon, clément, paternel. Pourtant, il est aussi sur son trône éternel, mon juge. Et quand je songe à ma vie, il me semble que je suis bien souillé, bien coupable, et je tremble. Ouais, mais la bonne Vierge est là, qui m'a défend. Souvenez-vous, jadis, quand vous étiez enfant, et pour vous châtier de quelques graves fautes, quand le père irrité se levait, la main haute, votre mère arrêtait le bras prêt à frapper. Or, dans le saint récit qui ne peut nous tromper, Jésus-Christ sur la croix, montrant Jean à Marie, lui dit « Voilà ton fils. C'est pourquoi je l'ai pris à l'heure de la mort, d'implorer mon pardon. Car quand Jésus lui fit ce mystérieux don, il lui léguait ainsi l'humanité chrétienne, tout entière, et ta mère au Seigneur, et la mienne. Ma mère, intercédez donc pour moi, s'il vous plaît. Dans le creux de ma main, je vois mon chapelet, et pour moi, ces grains noirs sont comme une semence, qu'avec un grand espoir je jette au ciel immense. Chaque ave va bientôt, miracle merveilleux, s'épanouir aux pieds de la Reine des cieux, et, suave parfum, ma prière fleurie montera doucement vers la Vierge Marie. »